Je viens de me réveiller en retard, c'est-à-dire que mon réveil, je l'ai mis pour le mauvais jour, on est mardi, et je l'ai mis pour lundi. Du coup, je sais pas par quel miracle, je me suis levée à 9h30 et j'ai cours à 10h. Donc là, je vais déjeuner en écoutant mon cours. Heureusement, genre, tout va bien, c'est un cours en distanciel. Donc j'ai fait ça le bon matin, parce que là, s'il fallait que je me prépare, que je prenne un bus et que j'y aille, autant vous dire que je n'y serai jamais. Donc ça va, mais c'est vrai que là c'est mon premier cours en distanciel et que j'ai vraiment la tête encore dans la nuit finalement. Donc écoutez, je pense que je vais juste prendre mon petit déjeuner en écoutant mon cours là et après je vous raconterai ce qu'on va faire aujourd'hui. On est donc là je viens de finir mon premier cours en distanciel. Ouf. Déjà je vous l'ai dit, j'étais pas très réveillée. Mais ça va, comment ça s'appelle cette matière? Ça s'appelle information de quelque chose, enfin bref, ça va, ça a duré qu'une heure. Ça s'est pas trop mal passé. Ça va, c'était bien fait, hein. Voilà, je vous note un peu mon cours, c'était cool. Là je vais me connecter sur Facebook parce qu'il va y avoir un live, mon université là, enfin l'IAE, ils font un live pour nous présenter un peu la rentrée, puisque bah, y a pas de truc en présentiel, du coup ils vont faire un live Facebook. Je reprends les cours à 13h30. Donc là c'est bien que j'ai un peu de temps parce que j'ai plein de trucs à faire avant de reprendre les cours. Aujourd'hui c'est une journée très light, hein. Clairement j'ai deux cours, donc j'avais ce cours là ce matin. Cet après-midi j'ai droit avec d'autres masters, d'ailleurs on a droit en visio avec d'autres masters, donc c'est cool parce qu'il faut que je vous raconte un peu ma rentrée, c'est vraiment drôle ce qui se passe. Je vous ferai un petit point sur ma rentrée après. Là je vais regarder le live Facebook, puis après je pense que je vais aller me doucher histoire de me préparer un peu, manger et tout, attaquer mon prochain cours et vous dire ce qu'on va faire et tout. Il y a plein de trucs, j'ai plein de trucs à vous raconter, on va s'asseoir, on va parler un peu. Mais d'abord je vais regarder sur live Facebook, j'espère qu'il va être bien parce que c'est un live où ils sont censés répondre à des questions et tout. On va voir quoi ce que ça donne. Retrouve, il est quelle heure là? 11h50 déjà. Pouh, bah, je me suis un peu préparée là, je pense que ça va mieux par rapport à ce matin. Il va falloir que je me fasse à manger parce que en fait j'ai cours dans une heure. Pour vous faire un petit bilan de ce qui s'est passé depuis que j'ai fait mon vlog, pour vous dire que j'arrivais à Annecy, bah écoutez, je suis bien arrivée déjà, je pense que vous l'avez eu dans ce vlog. Donc là ça fait pas hyper longtemps, ça fait même pas une semaine que je suis là, bientôt une semaine. J'ai fait ma rentrée, ça s'est bien passé, ça va. Mais alors grosse nouvelle, MDR, on est 10 dans ma classe. J'avais jamais fait ça de ma vie, j'avais vu ça de ma vie, je savais pas que c'était possible. On est 10. Avec le Covid en fait ils ont réduit les effectifs et ils ont pris que 10 personnes pour mon master. Donc sur le coup on était un peu saucés avec les gens de ma classe qui nous ont dit bah, qu'on avait été les élus finalement. On avait été choisis parmi plein de dossiers. Mais la vache, 10 personnes c'est très restreint pour une promo. C'est assez inédit, ouais, normalement les classes de master c'est des petites classes, c'est des classes de 20-25. Et bon, Covid oblige, pour qu'on puisse faire un peu de présentiel, bah, pour éviter qu'il y ait trop de cas de corona, bah, ils ont réduit les effectifs. Donc écoutez... On est 10. Ce qui est cool, c'est qu'il y a d'autres masters avec qui on a des cours en commun. Mais eux aussi, hein, dans leur classe, ils sont genre 15, 10. Ils sont pas beaucoup plus nombreux que chez nous. Du coup, je pense que on va aussi traîner avec d'autres masters. Parce que sinon, on a vite fait le tour de notre classe, en fait. On se connaît déjà. Puisqu'on est 10. Vraiment, parce que l'IAE est super jolie. Plus, la ville, vraiment, Annecy. Moi, quand j'ai postulé, je savais même pas où c'était en France. Et j'avais aucune idée de la gueule de cette ville, honnêtement. Et comme je vous l'ai déjà dit, j'ai choisi cette formation surtout pour les options qu'elle avait à l'étranger.
et pour la formation, les matières qui étaient proposées, qui je trouvais me correspondaient bien, donc c'était surtout pour ça. J'ai pas privilégié la ville, mais en fait c'est hyper beau. Je pense que de toutes les villes étudiantes que j'ai faites, de loin c'est la plus belle, et c'est pas compliqué hein. En même temps j'ai pas fait des villes non plus magnifiques, c'est super beau, honnêtement c'est super super beau. De toute façon, comme chaque année, je vous parlerai de mon IE tout au long de l'année et je vous ferai mon petit avis dessus. De toute façon, le premier mois en général de rentrée, c'est un peu la course pour tout, genre les papiers et tout. Enfin moi aujourd'hui là, je viens d'avoir fini mon inscription à l'IAE, alors que je suis déjà rentrée en vrai. Mais les papiers de transfert et tout, d'un IAE à l'autre, puisque bah, l'année dernière j'étais rattachée à l'IAE de Montpellier. Bref, tu connais les galères, le CROUS, la CAF, avoir sa carte de bus, que je n'ai toujours pas. D'ailleurs c'est au programme aujourd'hui, vu que je finis les cours à 15h. Normalement je vais aller faire ma carte de bus parce qu'il serait temps de pouvoir se déplacer correctement dans cette ville. Mais c'est cool parce que d'un côté au moins on s'ennuie pas. J'ai passé le week-end avec Mélissa et c'était super cool. On a un peu plus découvert la ville puisque bah, je vous rappelle, moi je connaissais pas trop Annecy. Et c'est vraiment super beau, je fais que le répéter et je pense que je vais le dire toute l'année. J'espère que je vais pas m'en lasser, vous savez c'est le genre de paysage où vous venez là en vacances, vous êtes émerveillés et j'espère juste ne jamais m'en lasser. Faudra vraiment que je tourne un apartment tour, je sais pas quand, mais je vais prévoir ça dans un planning. Faut que je fasse à manger là, hein. Je ne sais pas du tout ce que je vais manger, le temps passe vite. Ah, au fait, on est toujours sur un iPhone sans coque. Je les ai commandés. Normalement, elles arrivent bientôt. Parce que je sens que sinon, il va mourir cet iPhone. Mais je commence de plus en plus à comprendre comment il marche. Par contre, MDR, c'est vrai que... Enfin, c'est les nouveaux iPhones, là. Il y a le Face ID. Mais Corona oblige, la moitié du temps, ce con, il me reconnaît pas avec mon masque. Je pense qu'Apple, il devrait faire une mise à jour, là. Que ton masque... Que ton iPhone te reconnaisse avec ton masque. Parce que du coup, ça sert à rien, Face ID. Hein. C'est vraiment tomber cette innovation au mauvais moment. Parce que là, il voit pas notre gueule, l'iPhone. Voilà ce que j'avais à dire. Hop, petite salade et bête de vue. On est là. En vrai, il y a pire. Hein. Ok, donc ce soir ça va être une poêlée surgelée là. C'est poêlée rustique, c'est très très bon. J'ai acheté ça à Basic Weekend. C'est super bon. Et du melon, histoire de me rappeler le sud de la France. Regardez-moi ça, il y a un début de coucher de soleil là. C'est hyper beau, genre tous les soirs on se tape vraiment un super beau coucher de soleil de ce côté. Genre c'est trop bien qu'on ait la terrasse là et c'est super super beau. Donc voilà, je vous partageais le début du coucher de soleil. Qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi? Je suis allée donc faire ma carte de bus. J'ai pas fini mais j'ai pris en gros le papier qu'il faut que je remplisse pour la faire. Donc je vais m'en occuper. Après ça, donc j'étais avec une fille de ma classe. On est allé rejoindre ma coloc et ses potes au lac. Parce qu'il y a beaucoup plus de licences. Ils sont genre 90 je crois dans sa promo. Un truc comme ça, ils sont genre vraiment beaucoup plus. On est allé les voir. Bah, histoire de sociabiliser un peu parce que comme je vous l'ai dit moi vraiment dans ma promo on n'est pas nombreux. Mais il y a d'autres masters, il faut juste le temps qu'on rencontre tout le monde. De toute façon la rentrée c'est ça, au début ça met un peu de temps. Donc voilà, là maintenant je pense que je vais aller me poser un peu. Il y a les Marseillais qui ont recommencé. Du coup je vais regarder les Marseillais sûrement quand ça va être l'heure. Et voilà, je pense qu'il va pas se passer beaucoup plus. Ah bah là vous pouvez mieux. Oh putain c'est pour ça, ça fait pas le focus cette affaire. Voilà. Ça du coup c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je l'ai fait dans une autre version mais ça rentrait pas du tout sur mon fond d'écran finalement. Là je l'ai fait en grand comme ça et je le trouve très cool. Donc voilà. J'ai testé ça, on sait pas, mais moi je trouve ça sympa. Alors, là du coup je pense que je vais prendre des billets de bus pour aller à Lyon ce week-end, puisque Annecy c'est pas très loin de Lyon, que j'ai rien à faire ce week-end. On est le 17 vendredi je crois, j'ai pas cours. Comme j'ai pas mal de potes sur Lyon, je me suis dit go partir à Lyon. Genre ça je crois ça vaut 6-7€ d'aller à Lyon, donc c'est pas cher du tout. Du coup j'ai absolument pas vlogué depuis tout à l'heure, mais sachez que je vais finir en beauté avec les Marseillais pour me divertir ce soir, comme à peu près tous les soirs de la semaine depuis déjà pas mal de temps.